Ben là, on est tout seul? Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'instructeur? Pas besoin. Je m'entraîne ici depuis 3 mois, là. Je vais tout vous montrer. Dans le sens où tu vas tout nous frapper? Mais non, pas si vous faites ce que je dis, OK? Non, je suis rendu bien chum avec le propriétaire et il m'a laissé la place pour la journée gratis. Ah, c'est cool, hein? Oh my God. C'est tellement juste pour impressionner Véro qui nous a amenés ici. Ça remet pas de la Zumba de la semaine passée. Peut-être qu'il aime juste la boxe aussi, là. Peut-être qu'il veut partager sa passion avec nous. Attends, je vais t'aider. Ça commence mal. Merci. Pas de trouble. OK, ici? Ouais. Come on, come on! Ouais. Tiens, mets ça. Oh, excuse-moi. Aguette-toi! Oh, my God! Excuse-moi, je voulais pas faire ça. Ah. Moi, on dit que je suis pas, je suis d'un sport, restifié que ça me stresse. Non, non, on stresse pas, là, regarde. Je saigne même pas. Tant mieux, mais habitue-toi pas trop vite parce que... Je le parlerai pas à ton beau petit nez. J'espère bien. OK. Donc, tu veux que je t'aide? Ouais. OK. Mets ta main dedans. Ouais. Profondément. Ouais, c'est là. C'est bon? Ouais. OK. C'est bon? Laisse. Je suis capable. Fais pas ton bébé, là. Tu vois bien que t'as de la misère. Peux-tu arrêter de m'infantiliser 5 minutes, s'il te plaît? Je crois que t'es indépendant, toi. Je suis très indépendant, là. J'ai toujours été indépendant. Je te dirais même que je suis de plus en plus indépendant. Ah ouais? C'est pour ça que je te fais encore tes lunchs? Ah, d'ailleurs, tu peux arrêter, là. Je suis plus capable des esties de salade de Marie-Lou. Hein. T'aimes pas ça, le quinoa? Quinoa, OK, le pois chiche, là. Je veux dire qu'il y a d'autres choses. Et qu'est-ce que t'aimerais que je te fasse? Ça me chose eux? J'ai une bonne recette du cuisinier rebelle qui met de la nette, puis il met aussi des... Tu comprends rien. OK, let's go, commence ça! Ah, ouais? Ah, mais là, moi, c'est parce que... Vas-y donc, toi. Hey, come on! Come on, Vincent! Tout puis moi! Vas-y, Vincent! Vas-y. Yeah! Woo! Mets ton casque, là. Je pense qu'il est trop petit. Non, mais ça, c'est parce que t'as un gros cerveau, mon amour. Ces casques-là, c'est fait pour les petits niaiseux qui ont rien en tête. Ah, ouais, me faisait le casque. Arrêtez de niaiser, là. De toute façon, les casques, c'est pour les poches. Let's go! Come on! Yeah! T'es bien trop intense, tu vas y faire mal, là. Ça va, Anne. Chérie, t'as aucune aptitude sportive. Arrête de niaiser. Puis toi, t'es bien trop craqué. Je sais. On va le faire ensemble, le match. Mais non, c'est pas ensemble un match de boxe, Anne. C'est contre, OK? Tu vas calmer tes nerfs, Rocky, OK? J'ai pas le goût que mon chum sorte d'ici avec une commotion cérébrale. Fait que va t'énerver sur Véro à la place. Ah, oh, mais tu sais, moi, c'est pas grave, je fais une commotion. C'est le fun, ça. Non, c'est pas ça. C'est juste que j'essaie de montrer à Vincent qu'on est encore capable d'avoir une belle chimie puis qu'on est capable d'avoir du fun ensemble. OK. Moi, je vais essayer de faire la même chose avec Bruno d'abord. T'es pas obligée de faire semblant, tu sais. Je le vois bien que ça clique pas tant que ça entre vous. Ah, non, moi, je trouve que ça match full. Non, ouais. T'aurais dû le voir quand il me coachait tantôt. Il arrêtait pas, là, me toucher aux hanches. Ah. Classique, tous les gars font ça pour pouvoir plotter les filles. Non, mais tout ce que je veux dire, là, c'est que t'es pas obligé de t'accrocher au premier venu. Il y en a plein des bons gars. Je veux bien. Mais après 8 ans de célibat, je te dirais que je suis pas mal rendue à m'accrocher. Pauvre chouette. Let's go, let's go! OK, monte ta garde, Vincent! Anne, t'es trop proche, recule un peu, là. Ouais, c'est ça. Arrête pas de bouger. Si t'arrêtes de bouger, t'es mort. Tes souliers sont-ils attachés? Non, regarde pas tes pieds, là! Ah! Lâche-le pas des yeux! Toi non plus, Vince! Mais fais ça, quelqu'un, là! Mais là, qu'est-ce que tu fais? Non, je joue pas à crânien, mais si c'est ça le but, tu te fais ça, là. Ah oui. Si c'est ça le but. Oh! Ben voyons. Ange mon œil. Excuse-moi, mon amour, je pensais que t'étais prêt, je t'ai juste donné un petit coup de rien. Tu as clairement frappé toutes tes forces, là? Demande donc, voir. C'est pas une petite blessure, ça. T'aurais peut-être dû garder ton casque, finalement. Hein. C'est là que tu dis ça. Oh, mais là, tu battais contre ta blonde, là. Je pensais pas qu'elle allait. Qu'est-ce que c'est une volée? Voyons, c'est bien misogyne ce que tu dis là. Oui, mais c'est pas ça, mais on fesse pas quelqu'un de même. Sérieusement, ça t'apprendra à être sexiste. Ça va y apprendre quoi que je perde un œil? Bon, là, vous vous chicanerez plus tard, les tourtereaux, parce que si on l'amène pas à l'hôpital, il va perdre son œil. Ouais, bonne idée. Je vais venir avec vous. Non, t'en as assez fait. Ouais, puis faudrait quelqu'un pour essuyer le sang sur le ring, Anne, ça te dérange pas? Évidemment, encore les femmes qui torchent en 2016. Ben, tu connais le proverbe, hein? Qui crève un œil, torche le ring de boxe. Ah, ferme ta gueule. Bon, mais ça a-tu marché? T'as-tu du fun avec ton chum? Qu'est-ce que t'en penses, Véro? Peut-être non. Peut-être que non. Oui, c'est ça. Je vais y aller. C'est ça. OK. Ah, Marie!
C'est quoi les derniers moments qu'on a eu du fun ensemble? La dernière fois qu'on a fait l'amour, tu t'es endormie pendant Anne. Non, je me suis pas endormie, je me suis assoupie. C'est pas la même affaire. Tu t'es endormie, puis quand tu t'es réveillée, t'as fait comme si de rien n'était, puis t'as reparti Netflix.